Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva qui a adressé hier un gros tacle à Carla. Hier, Maëva était de sortie à Paris avec plusieurs Marseillais, dont Greg et Paga. Ce dernier était en train de filmer leur groupe en train de chanter une chanson de Céline Dion quand on a entendu Maëva parler de Carla. En fait, ils chantaient tous une chanson dans laquelle Céline Dion dit « Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore ». À ces paroles, Greg a dit en parlant de Maëva « Elle m'a tout jeté ». Maëva lui a répondu en criant plusieurs fois « Je ne suis pas Carla ». Des mots qui font directement référence à l'affaire de sorcellerie qui a brisé l'amitié entre les deux Marseillaises. Des propos qui n'ont certainement pas dû plaire à Carla, même si elle n'a pour l'instant pas réagi. Par ailleurs, dans la soirée, la femme de Kevin a tenu à pousser un gros coup de gueule contre certaines remarques des internautes. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Anifa et Miss qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Allez bébé! Vous savez pourquoi il est heureux? Parce que... Ouais! Oh! Et nous? On n'a pas nous, ça! Oh! Et nous, on n'a pas nous! Ça arrive! Même si dans tes danses, je cherchais ton âme. Dans les flammes, dans les flammes, je cherchais des sorts pour que tu m'aimes encore. Et la chanson est finie, non plus faire. Tu m'aimes encore. Allez, fais une danse romantique. Allez, allez, mets-la, allez. Allez. Ah, bon. Allez, là, ça, là. Là, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Je suis pas Carla, moi. Je fais ma petite toilette, je me suis démaquillée. Je vais dormir, je suis très fatiguée. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée. Moi, j'aime trop ma famille des Marseillais. Je vous jure, j'aime trop passer des moments avec eux parce qu'on s'éclate. Même si des fois on se dispute. Il y a eu quelques disputes ce soir. Mais sinon, voilà, je les aime trop. Et on est une vraie famille et franchement, on a trop de la chance. Voilà. Je les aime et je vous aime aussi. Et bonne nuit.
Les amis, je voulais vous faire un petit point, un petit coup de gueule, parce que je pense que c'est très important d'en parler, étant donné que je suis une influenceuse et qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Voilà, je reçois beaucoup de messages concernant des personnes qui me disent oh, « t'as pris du poids, oh, au mariage t'étais toute fine, là tu te laisses aller » ou « tu es en train de remanger beaucoup trop ». Je voulais vous dire vraiment, pour toutes les personnes, de pas écouter ce genre de commentaires, parce que je pense que ces commentaires-là, ils me les font à moi, mais ils doivent les faire entre eux, entre copines ou avec d'autres personnes. Et moi, j'ai pas attendu après vous pour savoir que oui, j'avais pris quelques petits kilos depuis mon mariage, parce que oui, effectivement, j'ai tellement fait attention avant que j'avais envie de relâcher, et vous savez à quel point j'aime la nourriture. Et je n'ai pas besoin d'avoir des commentaires sur si j'ai un peu grossi ou pas. Voilà, j'arrive à régler mon corps comme je l'entends. Et c'est vrai que je trouve ça bête, et je trouve qu'au final, les personnes qui vous complexent, ce sont les gens. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire voilà que souvent les personnes qui vont vous complexer, c'est pas tellement vous, mais c'est les personnes autour de vous qui vont faire en sorte de pas vous aimer et de pas s'aimer soi-même. Donc voilà, sachez que tant que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est l'idéal. Alors oui, moi je me préfère forcément quand je suis un peu plus fine, comme je l'ai été à mon mariage, comme je l'ai été avant ma grossesse, mais j'aime aussi la bouffe, j'aime aussi kiffer et profiter de la vie, parce qu'on ne vit pas pour être que jolie dans la vie, on vit aussi pour vivre plein de choses ensemble, entre amis, entre familles, kiffer et faire bien manger fait partie de ça aussi. Donc voilà pourquoi des fois ça arrive de me laisser aller, et c'est vrai que j'ai un corps qui est un peu malléable, c'est-à-dire que dès que je mange pas ça se voit, dès que je mange ça se voit, mais encore une fois je me sens très bien dans mon corps et je n'ai pas besoin de commentaires comme ceci à chaque fois à pointer du doigt si j'ai grossi ou pas, si j'ai pris 2-3 kilos de plus ou pas. Voilà, je pense que je me connais assez bien pour savoir si j'ai... Donc voilà, je fais ce petit snap et sur Instagram, parce que du coup je vais la reposter sur Insta, pour vous dire de pas écouter les gens déjà, parce que le tout c'est de se sentir bien dans son corps et de s'aimer, parce qu'il n'y a rien de plus important que de s'aimer, de se trouver belle, de se trouver jolie et surtout de se sentir bien, voilà, que ce soit dans sa tête ou dans son corps.